Une perverse narcissique, Bastos se confie sans filtre sur le comportement de son ex Victoria Meo. Séparée de Victoria Meo, Bastos n'a pas hésité à s'en prendre à elle jusqu'à la qualifier de perverse narcissique. Souvenez-vous, c'est dans les Marseillais versus le reste du monde 6 que Victoria Meo et Bastos se sont mis en couple. Malheureusement, leur relation a été ponctuée par plusieurs séparations et réconciliations. Et c'est aujourd'hui avec Belle que le candidat file le parfait amour, je suis trop content en ce moment. Je vis vraiment bien, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Les amis, quand vous vous libérez de l'emprise de quelqu'un de toxique et de néfaste, vous pouvez vraiment revivre. Parfois, on peut se dire que pour vraiment connaître le bonheur, il faut avoir connu la souffrance. Et là c'est ce que je ressens, a-t-il déclaré cash sur sa chaîne YouTube. Les deux ex ne semblent donc pas être en bon terme. D'ailleurs, Victoria Meo a récemment affiché Bastos en dévoilant plusieurs messages qu'il lui aurait envoyés. Ce dernier n'a pas hésité à rétorquer sur les réseaux sociaux, j'ai pris cher et je n'ai rien dit. Première chose, ces messages ne sont pas de moi et je pense qu'ils ne sont de personne. Maintenant, je ne dis pas que j'ai été parfait dans cette relation. C'était une relation toxique, j'ai eu des paroles déplacées, elle aussi, mais ce n'est pas tout puisque le candidat s'est ensuite lâché sur son ex-petite amie. Bastos tacle violemment Victoria. Une chose est sûre, Bastos n'a pas été tendre envers cette dernière, en termes de rabaisser l'autre, de profiter de sa dépendance émotionnelle et de son amour, je pense que tu n'es pas en reste. Et tu ne l'as été ni avec moi, ni avec tes autres derniers mecs. Moi je pense qu'on appelle un peu ça une perverse narcissique. Tu ne t'intéresses qu'à toi, tu ne parles que de toi, les mecs avec qui tu es tombent amoureux de toi et tu en profites. Je n'irai pas plus loin, Victoria décidera-t-elle de prendre la parole pour lui répondre? Affaire à suivre.